Au milieu de ses partisans, le candidat indépendant Raymond Nsima a, au cours de cette rencontre politique pour l'élection présidentielle, ici au marché de Ntibanga, axé son allocution sur les mots qui minent le quotidien des populations ninoises, à savoir la problématique du chômage des jeunes et celle liée au problème de la route. Le principal problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est un problème de chômage qui est très important. Il faut donc que les 5 prochaines années soient consacrées à la promotion de l'activité économique. La Nyanga, le Volendem sort la banane de très bonne qualité, mais vous la sortez par où? Si elle doit se faire dans le pont, la route a commencé à être faite, le pont, j'ai bien vu, la route, la zone de Niali a déjà bien avancé. Mais le fait est que si vous voulez améliorer la production agricole, il faut régler la question de l'infrastructure. Le candidat indépendant a également émis son inquiétude sur l'usage d'un bulletin unique. Quand on fait un vote joint, ça veut dire qu'on discrimine une partie des Gabonais. Celui qui vote, par exemple, un indépendant, n'est plus autorisé à choisir un député. À la fin de son meeting, Raymond Nsima a exhorté les Ninoises et Ninois à aller nombreux aux urnes le jour du vote pour sa victoire au soir du 26 août.